Essai sur les données immédiates de la conscience, quatrième partie, Henri Bergson. Chapitre 2, de la multiplicité des états de conscience. L'idée de durée. On définit généralement le nombre, une connexion d'unités, ou pour parler avec plus de précision, la synthèse de l'un et du multiple. Tout nombre est un, en effet, puisqu'on se le représente par une intuition simple de l'esprit et qu'on lui donne un nom. Mais cette unité est celle d'une somme, elle embrasse une multiplicité de parties qu'on peut considérer isolément. Sans approfondir pour le moment ces notions d'unité et de multiplicité, demandons-nous si l'idée de nombre n'impliquerait pas la représentation de quelque autre chose encore. Il ne suffit pas de dire que le nombre est une collection d'unités. Il faut ajouter que ces unités sont identiques entre elles, ou du moins qu'on les suppose identiques dès qu'on les compte. Sans doute on comptera les moutons d'un troupeau et l'on dira qu'il y en a 50, bien qu'ils se distinguent les uns des autres et que le berger les reconnaisse sans peine. Mais c'est que l'on convient alors de négliger leurs différences individuelles pour ne tenir compte que de leurs fonctions communes. Au contraire, dès qu'on fixe son attention sur les traits particuliers des objets ou des individus, on peut bien en faire l'énumération et non plus la somme. C'est à ces deux points de vue bien différents qu'on se place quand on compte les soldats d'un bataillon et quand on en fait l'appel. Nous dirons donc que l'idée de nombre implique l'intuition simple d'une multiplicité de parties ou d'unités absolument semblables les unes aux autres. Et pourtant, il faut bien qu'elles se distinguent par quelque endroit, puisqu'elles ne se confondent pas en une seule. Supposons tous les moutons du troupeau identiques entre eux. Ils diffèrent au moins par la place qu'ils occupent dans l'espace, sinon ils ne formeraient point un troupeau. Mais laissons de côté les 50 moutons eux-mêmes pour n'en retenir que l'idée. Ou nous les comprenons tous dans la même image, et il faut bien par conséquent que nous les juxtaposions dans un espace idéal, ou nous répétons 50 fois de suite l'image d'un seul d'entre eux, et il semble alors que la série prenne place dans la durée plutôt que dans l'espace. Il n'en est rien cependant. Car si je me figure tour à tour et isolément chacun des moutons du troupeau, je n'aurai jamais affaire qu'à un seul mouton. Que le nombre en aille croissant à mesure que j'avance, il faut bien que je retienne les images successives et que je les juxtapose à chacune des unités nouvelles dont j'évoque l'idée. Or, c'est dans l'espace qu'une pareille juxtaposition s'opère, et non dans la durée pure. On nous accordera d'ailleurs sans peine que toute opération par laquelle on compte des objets matériels implique la représentation simultanée de ces objets, et que par là même, on les laisse dans l'espace. Mais cette intuition de l'espace, accompagne-t-elle toute idée de nombre, même celle d'un nombre abstrait? Pour répondre à cette question, il suffira à chacun de passer en revue les diverses formes que l'idée de nombre a prises pour lui depuis son enfance. On verra que nous avons commencé par imaginer une rangée de boules, par exemple, puis que ces boules sont devenues des points, puis enfin que cette image elle-même s'est évanouie pour ne plus laisser derrière elle, disons-nous, que le nombre abstrait. Mais à ce moment aussi, le nombre a cessé d'être imaginé et même d'être pensé. Nous n'avons conservé de lui que le signe, nécessaire au calcul, par lequel on est convenu de l'exprimer. Car on peut fort bien affirmer que 12 est la moitié de 24 sans penser ni le nombre 12 ni le nombre 24. Même pour la rapidité des opérations, on a tout intérêt à n'en rien faire. Mais dès qu'on désire se représenter le nombre et non plus seulement des chiffres ou des mots, force est de bien revenir à une image étendue. Ce qui fait illusion sur ce point, c'est l'habitude contractée de compter dans le temps, semble-t-il, plutôt que dans l'espace. Pour imaginer le nombre 50, par exemple, on répétera tous les nombres à partir de l'unité. Et quand on sera arrivé au 50e, on croira bien avoir construit ce nombre dans la durée, et dans la durée seulement. Et il est incontestable qu'on aura compté ainsi des moments de la durée, plutôt que des points de l'espace. Mais la question est de savoir si ce n'est pas avec des points de l'espace qu'on aura compté les moments de la durée. Certes, il est possible d'apercevoir dans le temps et dans le temps seulement une succession pure et simple, mais non pas une addition, c'est-à-dire une succession qui aboutisse à une somme. Car si une somme s'obtient par la considération successive de différents termes, encore faut-il que chacun de ces termes demeure lorsqu'on passe au suivant, et attende, pour ainsi dire, qu'on l'ajoute aux autres. Comment attendrait-il s'il n'était qu'un instant de la durée? Et où attendrait-il si nous ne le localisions dans l'espace? Involontairement, nous fixons en un point de l'espace chacun des moments que nous comptons. Et c'est à cette condition seulement que les unités abstraites forment une somme. Sans doute, il est possible, comme nous le montrerons plus loin, de concevoir les moments successifs du temps indépendamment de l'espace. Mais lorsqu'on ajoute à l'instant actuel ceux qui le précédaient,
Comme il arrive quand on additionne des unités, ce n'est pas sur ces instants eux-mêmes qu'on opère, puisqu'ils sont à jamais évanouis, mais bien sur la trace durable qu'ils nous paraissent avoir laissée dans l'espace en le traversant. Il est vrai que nous nous dispensons le plus souvent de recourir à cette image, et qu'après en avoir usé pour les deux ou trois premiers nombres, il nous suffit de savoir qu'elle servirait aussi bien à la représentation des autres, si nous en avions besoin. Mais toute idée claire du nombre implique une vision dans l'espace, et l'étude directe des unités qui entrent dans la composition d'une multiplicité distincte va nous conduire, sur ce point, à la même conclusion que l'examen du nombre lui-même. Tout nombre est une collection d'unités, avons-nous dit. Et d'autre part, tout nombre est une unité lui-même, en tant que synthèse des unités qui le composent. Mais le mot unité est-il pris dans les deux cas avec le même sens ? Quand nous affirmons que le nombre est 1, nous entendons par là que nous le représentons dans sa totalité, par une intuition simple et indivisible de l'esprit. Cette unité renferme donc une multiplicité, puisque c'est l'unité d'un tout. Mais lorsque nous parlons des unités qui composent le nombre, ces dernières unités ne sont plus des sommes, pensons-nous, mais bien des unités pures et simples, irréductibles, et destinées à donner la série des nombres en se composant indéfiniment entre elles. Il semble donc qu'il y ait deux espèces d'unités. L'une définitive, qui formera un nombre en s'ajoutant à elle-même, l'autre provisoire, celle de ce nombre qui, multipliant lui-même, emprunte son unité à l'acte simple par lequel l'intelligence l'aperçoit. Et il est incontestable que lorsque nous nous figurons les unités composantes du nombre, nous croyons penser à des indivisibles. Cette croyance entre pour une forte part dans l'idée qu'on pourrait concevoir le nombre indépendamment de l'espace. Toutefois, en y regardant de plus près, on verra que toute unité est celle d'un acte simple de l'esprit, et que cet acte consistant à unir, il faut bien que quelques multiplicités lui servent de matière. Sans doute, au moment où je pense chacune de ces unités isolément, je la considère comme indivisible, puisqu'il est entendu que je ne pense qu'à elle. Mais dès que je la laisse de côté pour passer à la suivante, je l'objective, et par là même, j'en fais une chose, c'est-à-dire une multiplicité. Il suffira pour s'en convaincre de remarquer que les unités avec lesquelles l'arithmétique forme des nombres sont des unités provisoires, susceptibles de se morceler indéfiniment, et que chacune d'elles constitue une somme de quantités fractionnaires, aussi petites et aussi nombreuses qu'on voudra l'imaginer. Comment diviserait-on l'unité s'il s'agissait ici de cette unité définitive qui caractérise un acte simple de l'esprit? Comment la fractionnerait-on en la déclarant une si on ne la considérait implicitement comme un objet étendu, un dans l'intuition, multiple dans l'espace? Vous ne tirerez jamais d'une idée par vous construite ce que vous n'y aurez point mis. Et si l'unité avec laquelle vous composez votre nombre est l'unité d'un acte et non d'un objet, aucun effort d'analyse n'en fera sortir autre chose que l'unité pure ou simple. Sans doute, quand vous égalez le nombre 3 à la somme 1 plus 1 plus 1, rien ne vous empêche de tenir pour indivisible les unités qui le composent. Mais c'est que vous n'utilisez point la multiplicité dont chacune de ces unités est grosse. Il est d'ailleurs probable que le nombre 3 se présente d'abord sous cette forme simple à notre esprit, parce que nous songerons plutôt à la manière dont nous l'avons obtenu qu'à l'usage que nous en pourrions faire. Mais nous ne tardons pas à nous apercevoir que, si toute multiplication implique la possibilité de traiter un nombre quelconque comme une unité provisoire qui s'ajoutera à elle-même, inversement, les unités à leur tour sont de véritables nombres, aussi grand qu'on voudra, mais que l'on considère comme provisoirement indécomposable pour les composer entre eux. Or, par cela même, que l'on admet la possibilité de diviser l'unité en autant de parties que l'on voudra, on la tient pour étendue. Il ne faudrait pas se faire illusion, en effet, sur la discontinuité du nombre. On ne saurait contester que la formation ou construction d'un nombre implique la discontinuité. En d'autres termes, ainsi que nous le disions plus haut, chacune des unités avec lesquelles je forme le nombre de 3 paraît constituer un indivisible pendant que j'opère sur elle, et je passe sans transition de celle qui précède à celle qui suit. Que si maintenant je construis le même nombre, avec des demi, des quarts, des unités quelconques, ces unités constitueront encore, en tant qu'elles serviront à former ce nombre, des éléments provisoirement indivisibles. Et c'est toujours par saccade, par saut brusque, pour ainsi dire, que nous irons de l'une à l'autre.
Et la raison en est que pour obtenir un nombre, force est bien de fixer son attention tour à tour sur chacune des unités qui le composent. L'indivisibilité de l'acte par lequel on conçoit l'une quelconque d'entre elles se traduit alors sous forme d'un point mathématique, qu'un intervalle vide d'espace sépare du point suivant. Mais si une série de points mathématiques échelonnés dans l'espace vide exprime assez bien le processus par lequel nous formons l'idée de nombre, ces points mathématiques ont une tendance à se développer en ligne à mesure que notre attention se détache d'eux, comme s'ils cherchaient à se rejoindre les uns les autres. Et quand nous considérons le nombre à l'état d'achèvement, cette jonction est un fait accompli. Les points sont devenus des lignes, les divisions se sont effacées, l'ensemble présente tous les caractères de la continuité. C'est pourquoi le nombre, composé selon une loi déterminée, est décomposable selon une loi quelconque. En un mot, il faut distinguer entre l'unité à laquelle on pense et l'unité qu'on érige en chose après y avoir pensé, comme aussi entre le nombre en voie de formation et le nombre une fois formé. L'unité est irréductible pendant qu'on la pense, et le nombre est discontinu pendant qu'on le construit. Mais dès que l'on considère le nombre à l'état d'achèvement, on l'objective, et c'est précisément pourquoi il apparaît alors indéfiniment divisible. Remarquons en effet que nous appelons subjectif ce qui paraît entièrement et adéquatement connu. Objectif, ce qui est connu de telle manière qu'une multitude toujours croissante d'impressions nouvelles pourrait être substituée à l'idée que nous en avons actuellement. Ainsi, un sentiment complexe contiendra un assez grand nombre d'éléments plus simples. Mais tant que ces éléments ne se dégageront pas avec une netteté parfaite, on ne pourra pas dire qu'ils étaient entièrement réalisés. Et, dès que la conscience en aura la perception distincte, l'état psychique qui résulte de leur synthèse aura par là même changé. Mais rien ne change à l'aspect total d'un corps, de quelque manière que la pensée le décompose, parce que ces diverses décompositions, ainsi qu'une infinité d'autres, sont déjà visibles dans l'image, quoique non réalisées. Cette aperception actuelle, et non pas seulement virtuelle, de subdivision dans l'indivisé, est précisément ce que nous appelons objectivité. Dès lors, il devient aisé de faire la part exacte du subjectif et de l'objectif dans l'idée de nombre. Ce qui appartient en propre à l'esprit, c'est le processus indivisible par lequel il fixe son attention successivement sur les diverses parties d'un espace donné. Mais les parties ainsi isolées se conservent pour s'ajouter à d'autres, et une fois additionnées entre elles, se prêtent à une décomposition quelconque. Ce sont donc bien des parties d'espace, et l'espace est la matière avec laquelle l'esprit construit le nombre, le milieu où l'esprit le place. À vrai dire, c'est l'arithmétique qui nous apprend à morceler indéfiniment les unités dont le nombre est fait. Le sens commun est assez porté à construire le nombre avec des indivisibles, et cela se conçoit sans peine, puisque la simplicité provisoire des unités composantes est précisément ce qui leur vient de l'esprit, et que celui-ci prête plus d'attention à ses actes qu'à la matière sur laquelle il agit. La science se borne à attirer notre regard sur cette matière. Si nous ne localisions déjà le nombre dans l'espace, elle ne réussirait certes pas à nous y faire transporter. Il faut donc bien que dès l'origine nous y soyons représenté le nombre par une juxtaposition dans l'espace. C'est la conclusion à laquelle nous avions abouti d'abord, en nous fondant sur ce que toute addition implique une multiplicité de parties perçues simultanément. Or, si l'on admet cette conception du nombre, on verra que toute chose ne se compte pas de la même manière, et qu'il y a deux espèces bien différentes de multiplicité. Quand nous parlons d'objets matériels, nous faisons allusion à la possibilité de les voir et de les toucher. Nous les localisons dans l'espace. Dès lors, aucun effort d'invention ou de représentation symbolique ne nous est nécessaire pour les compter. Nous n'avons qu'à les penser séparément d'abord, simultanément ensuite, dans le milieu même où ils se présentent à notre observation. Il n'en est plus de même si nous considérons des états purement affectifs de l'âme, ou même des représentations autres que celles de la vue et du toucher. Ici, les termes n'étant plus donnés dans l'espace, on ne pourra guère les compter, semble-t-il, a priori, que par quelques processus de figuration symbolique. Il est vrai que ce mode de représentation paraît tout indiquer lorsqu'il s'agit de sensations, dont la cause est évidemment située dans l'espace. Ainsi, quand j'entends un bruit de pas dans la rue, je vois confusément la personne qui marche. Chacun des sons successifs se localise alors en un point de l'espace, où le marcheur pourra poser le pied. Je compte mes sensations dans l'espace même où leurs causes tangibles s'alignent. Peut-être quelques-uns comptent-ils d'une manière analogue les coups successifs d'une cloche lointaine, leur imagination se figure, la cloche qui va et qui vient, cette représentation de nature spatiale leur suffit pour les deux premières unités. Les autres unités suivent naturellement, mais la plupart des esprits ne procèdent pas ainsi.
Ils alignent les sons successifs dans un espace idéal et s'imaginent compter alors les sons dans la pure durée. Il faut pourtant s'entendre sur ce point. Certes, les sons de la cloche m'arrivent successivement, mais de deux choses l'une. Ou je retiens chacune de ces sensations successives pour l'organiser avec les autres et former un groupe qui me rappelle un air ou un rythme connu. Alors je ne compte pas les sons, je me borne à recueillir l'impression, pour ainsi dire, qualitative que leur nombre fait sur moi. Ou bien, je me propose explicitement de les compter. Il faudra bien alors que je les dissocie, et que cette dissociation s'opère dans quelques milieux homogènes où les sons, dépouillés de leur qualité, vidés en quelque sorte, laissent des traces identiques de leur passage. Reste à savoir, il est vrai, si ce milieu est du temps ou de l'espace. Mais un moment du temps, nous le répétons, ne saurait se conserver pour s'ajouter à d'autres. Si le son se dissocie, c'est qu'il laisse entre eux des intervalles vides. Si on les compte, c'est que les intervalles demeurent entre les sons qui passent. Comment ces intervalles demeureraient-ils s'ils étaient durée pure et non pas espace? C'est donc bien dans l'espace que s'effectue l'opération. Elle devient d'ailleurs de plus en plus difficile à mesurer à mesure que nous pénétrons plus avant dans les profondeurs de la conscience. Ici, nous nous trouvons en présence d'une multiplicité confuse de sensations et de sentiments que l'analyse seule distingue. Leur nombre se confond avec le nombre même des moments qu'ils remplissent quand nous les comptons. Mais ces moments susceptibles de s'additionner entre eux, ce sont encore des points de l'espace. D'où résulte enfin qu'il y a deux espèces de multiplicité. Celle des objets matériels qui forment un nombre immédiatement et celle des faits de conscience qui ne sauraient prendre l'aspect d'un nombre sans l'intermédiaire de quelques représentations symboliques où intervient nécessairement l'espace. À vrai dire, chacun de nous établit une distinction entre ces deux espèces de multiplicité quand il parle de l'impénétrabilité de la matière. On érige parfois l'impénétrabilité en propriété fondamentale des corps, connue de la même manière et admise au même titre que la pesanteur ou la résistance, par exemple. Cependant, une propriété de ce genre, purement négative, ne saurait nous être révélée par les sens. Même certaines expériences de mélange et de combinaison nous amèneraient à la révoquer en doute, si notre conviction n'était faite sur ce point. Imaginez qu'un corps pénètre un autre corps, vous supposerez aussitôt dans celui-ci des vides, où les particules du premier viendront se loger. Ces particules, à leur tour, ne pourront se pénétrer que si l'une d'elles se divise pour remplir les interstices de l'autre. Et notre pensée continuera cette opération indéfiniment plutôt que de se représenter deux corps à la même place. Or, si l'impénétrabilité était réellement une qualité de la matière connue par les sens, on ne voit pas pourquoi nous éprouverions plus de difficultés à concevoir deux corps se fondant l'un dans l'autre qu'une surface sans résistance ou un fluide impondérable. De fait, ce n'est pas une nécessité d'ordre physique, c'est une nécessité logique qui s'attache à la proposition suivante. Deux corps ne sauraient occuper en même temps le même lieu. L'affirmation contraire enferme une absurdité qu'aucune expérience concevable ne réussirait à dissiper. Bref, elle implique contradiction. Mais cela ne revient-il pas à reconnaître que l'idée même du nombre 2, ou plus généralement d'un nombre quelconque, renferme celle d'une juxtaposition dans l'espace? Si l'impénétrabilité passe le plus souvent pour une qualité de la matière, c'est parce que l'on considère l'idée du nombre comme indépendante de l'idée d'espace. On croit alors ajouter quelque chose à la représentation de deux ou plusieurs objets en disant qu'ils ne sauraient occuper le même lieu. Comme si la représentation du nombre 2, même abstrait, n'était pas déjà, comme nous l'avons montré, celle de deux positions différentes dans l'espace. Poser l'impénétrabilité de la matière, c'est donc simplement reconnaître la solidarité des notions de nombre et d'espace, c'est énoncer une propriété du nombre plutôt que de la matière. Pourtant, on compte des sentiments, des sensations, des idées, toutes choses qui se pénètrent les unes et les autres et qui, chacune de son côté, occupent la mente tout entière? Oui, sans doute, mais précisément parce qu'elles se pénètrent. On ne les compte qu'à la condition de les représenter par des unités homogènes, occupant des places distinctes dans l'espace, des unités qui ne se pénètrent plus par conséquent. L'impénétrabilité fait donc son apparition en même temps que le nombre. Et lorsqu'on attribue cette qualité à la matière pour la distinguer de tout ce qui n'est point elle, on se borne à énoncer sous une autre forme la distinction que nous établissions plus haut entre les choses étendues qui se peuvent traduire immédiatement en nombre et les faits de conscience qui impliquent d'abord une représentation symbolique dans l'espace. Il convient de s'arrêter sur ce dernier point.
Si pour compter les faits de conscience, nous devons les représenter symboliquement dans l'espace, n'est-il pas vraisemblable que cette représentation symbolique modifiera les conditions normales de la perception interne? Rappelons-nous ce que nous disions un peu plus haut de l'intensité de certains états psychiques. La sensation représentative envisagée en elle-même est qualité pure, mais vue à travers l'étendue, cette qualité devient quantité en un certain sens. On l'appelle intensité. Ainsi, la projection que nous faisons de nos états psychiques dans l'espace pour en former une multiplicité distincte doit influer sur ces états eux-mêmes et leur donner dans la conscience réfléchie une forme nouvelle que la perception immédiate ne leur attribuait pas. Or, remarquons que lorsque nous parlons du temps, nous pensons le plus souvent à un milieu homogène où nos faits de conscience s'alignent, se juxtaposent comme dans l'espace et réussissent à former une multiplicité distincte. Le temps ainsi compris ne serait-il pas à la multiplicité de nos états psychiques ce que l'intensité est à certains d'entre eux, un signe, un symbole absolument distinct de la vraie durée? Nous allons donc demander à la conscience de s'isoler du monde extérieur et par un vigoureux effort d'abstraction de redevenir elle-même. Nous lui poserons alors cette question. La multiplicité de nos états de conscience a-t-elle la moindre analogie avec la multiplicité des unités d'un nombre? La vraie durée a-t-elle le moindre rapport avec l'espace? Certes, notre analyse de l'idée de nombre devrait nous faire douter de cette analogie pour ne pas dire davantage. Car si le temps, tel que se le représente la conscience réfléchie, est un milieu où nos états de conscience se succèdent distinctement de manière à pouvoir se compter, et si d'autre part notre conception du nombre aboutit à éparpiller dans l'espace tout ce qui se compte directement, il est à présumer que le temps, entendu au sens d'un milieu où l'on distingue et où l'on compte, n'est que de l'espace. Ce qui confirmerait d'abord cette opinion, c'est qu'on emprunte nécessairement à l'espace les images par lesquelles on décrit le sentiment que la conscience réfléchie a du temps et même de la succession. Il faut donc que la pure durée soit autre chose. Mais ces questions, que nous sommes amenés à nous poser par l'analyse même de la notion de multiplicité distincte, nous ne pourrons les élucider que par une étude directe des idées d'espace et de temps dans les rapports qu'elles soutiennent entre elles. On aurait tort d'attribuer une trop grande importance à la question de la réalité absolue de l'espace. Autant vaudrait peut-être se demander si l'espace est ou n'est pas dans l'espace. En somme, nos sens perçoivent les qualités des corps et l'espace avec elles. La grosse difficulté paraît avoir été de démêler si l'étendue est un aspect de ces qualités physiques, une qualité de la qualité, ou si ces qualités sont inétendues par essence, l'espace venant s'y ajouter, mais se suffisant à lui-même et subsistant sans elle. Dans la première hypothèse, l'espace se réduirait à une abstraction, ou pour mieux dire à un extrait. Il exprimerait ce que certaines sensations, dites représentatives, ont de commun entre elles. Dans la seconde, ce serait une réalité aussi solide que ces sensations mêmes, quoique d'un autre ordre. On doit à Kant la formule précise de cette dernière conception. Les théories qu'il développe dans l'esthétique transcendantale consistent à doter l'espace d'une existence indépendante de son contenu, à déclarer isolable en droit ce que chacun de nous séparant fait, et à ne pas voir dans l'étendue une abstraction comme les autres. En ce sens, la conception kantienne de l'espace diffère moins qu'on ne se l'imagine de la croyance populaire. Bien loin d'ébranler notre foi à la réalité de l'espace, Kant en a déterminé le sens précis et en a même apporté la justification. Il ne semble pas d'ailleurs que la solution donnée par Kant ait sérieusement été contestée depuis ce philosophe, même elle s'est imposée, parfois à leur insu. À la plupart de ceux qui ont de nouveau abordé le problème nativiste ou empiriste, les psychologues sont d'accord pour attribuer une origine kantienne à l'explication nativistique de Jean Muller. Mais l'hypothèse des signes locaux de Lotze, la théorie de Bain et l'explication plus compréhensive proposée par Wundt apparaîtront au premier abord tout à fait indépendantes de l'esthétique transcendantale. Les auteurs de ces théories semblent en effet avoir laissé de côté le problème de la nature de l'espace pour rechercher seulement par quel processus nos sensations viennent y prendre place et se juxtaposer pour ainsi dire les unes aux autres. Et par là même, ils considèrent les sensations comme inextensives et établissent, à la manière de Kant, une distinction radicale entre la matière de la représentation et sa forme. Ce qui ressort des idées de Lotze, de Bain et de la conciliation que Wundt paraît en avoir tenté, c'est que les sensations par lesquelles nous arrivons à former la notion d'espace sont inétendues elles-mêmes et simplement qualitatives. L'étendue résulterait de leur synthèse, comme l'eau de la combinaison de deux gaz.
Les explications empiristiques aux génétiques ont donc bien repris le problème de l'espace au point précis où Kant l'avait laissé. Kant a détaché l'espace de son contenu. Les empiristes cherchent comment ce contenu, isolé de l'espace par notre pensée, arriverait à y reprendre place. Il est vrai qu'ils paraissent avoir méconnu ensuite l'activité de l'intelligence, et qu'ils inclinent visiblement à engendrer la forme extensive de notre représentation par une espèce d'alliance des sensations entre elles. L'espace sans être, extrait des sensations, résulterait de leur coexistence. Mais comment expliquer une pareille genèse sans une intervention active de l'esprit? L'extensif diffère par hypothèse de l'inextensif, et à supposer que l'extension ne soit qu'un rapport entre des termes inextensifs, encore faut-il que ce rapport soit établi par un esprit capable d'associer ainsi plusieurs termes. En vain, on alléguera l'exemple des combinaisons chimiques, où le tout paraît revêtir de lui-même une forme et des qualités qui n'appartenaient à aucun des atomes élémentaires. Cette forme, ces qualités naissent précisément de ce que nous embrassons la multiplicité des atomes dans une apperception unique. Supprimez l'esprit qui opère cette synthèse et vous anéantirez aussitôt les qualités, c'est-à-dire l'aspect sous lequel se présente à notre conscience la synthèse des parties élémentaires. Ainsi, des sensations inextensives resteront ce qu'elles sont, sensations inextensives, si rien ne s'y ajoute. Pour que l'espace naisse de leur coexistence, il faut un acte de l'esprit qui les embrasse toutes à la fois et les juxtapose. Cet acte sui generis ressemble assez à ce que Kant appelait une forme a priori de la sensibilité.